Bonjour mes amis, dans cette vidéo je vais vous montrer le tool que j'ai trouvé. Je vais vous montrer ensemble comment l'utiliser. Il s'appelle le FRP dans 2019. N'oubliez pas de vous abonner si tu regardes ma vidéo pour la première fois. Dans cette chaîne, je fais des vidéos sur les déblocages de téléphones Android et anti-complexe. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être notifié de la nouvelle vidéo. Donc, on va passer à l'action sur cette logiciel. On va double-cliquer. Voilà. Et quand on double-clique, on entre sur le dossier là. On va entrer sur le mot de passe, password. On entre sur le password, on prend le mot de passe à l'intérieur ici. Je vais aussi laisser le mot de passe dans la description de cette vidéo. Donc, je vais copier. On va entrer. Ça se charge, on attend qu'il puisse apparaître. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Donc posez de la nano ici là, donc et bien là je vais confirmer. Voilà, il vient de sortir. Voilà. Welcome to FRP Dongle by Nikki. Toujours Nikki Production. On va coller le mot de passe qu'on vient de copier. On appuie sur suivant, 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 suivant. Afin, donc là, il est en train de l'installer notre logiciel dans notre ordinateur facilement. Donc, je vous conseille d'utiliser le 64 bits de Windows 10. Voilà, pour être donc pour avoir plus de privilèges avec les dossiers de déblocage des téléphones. Là on va attendre quelques secondes. Voilà, donc FRP gratuit, donc plus qui travaille gratuitement sur la partie mail. Vous avez la possibilité de faire vos opérations en activant le ADB mode avec les téléphones Huawei et faire le remove FRP avec vos téléphones Huawei. Donc comme vous voyez, la caméra n'est pas trop bon, excusez-moi pour la caméra. On est là sur l'option, sur la partie Samsung. On a donc on a la possibilité de faire les opérations avec les téléphones Samsung. Ici on a les modèles des téléphones Samsung. Vous pouvez faire le factory reset, le remove FRP ou bien le soft brick de vos téléphones. Voilà, et en bas ici vous avez la possibilité de flasher vos téléphones Samsung. J'ai déjà fait la vidéo sur le flashage des téléphones, donc j'ai mis les rôles de tout ce dans de tous ces dossiers qui sont ici. J'ai déjà mis, donc que j'avais doublé deux fois, donc attendez juste que ça puisse ouvrir, ça prend du temps selon la vitesse du processeur de votre ordinateur. Donc voilà, on a la partie Qualcomm. Vous travaillez avec vos téléphones Xiaomi en enlevant le FRP avec vos téléphones Xiaomi, et on a la partie backup pour faire le backup de vos téléphones Xiaomi, et on a la partie Network pour débloquer les réseaux de vos téléphones Qualcomm et Samsung. Donc c'est un peu tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être notifié de mes vidéos. On se retrouve pour une autre vidéo. Bye bye.